je m'appelle Trésor Babouko. Je suis forgeron et c'est moi qui est président de l'association des forgerons de Guinée. Auparavant, nous, comme on travaillait comme des forgerons, on n'avait pas l'idée d'améliorer notre travail. Mais avec l'appui de Dimoussou, la projet avait fait l'effort de nous envoyer un technicien aux forges et c'est lui qui nous avait aidé. Et après cette formation, l'association, avec la coordination de Persket, on avait organisé aussi la formation pour les jeunes qui sont dans l'association et dans nos ateliers. J'ai cette la connaissance. C'est à moi de donner cette connaissance à mes amis. C'est parce qu'un jour, je peux mourir. Qui va rester à faire ça? Je vais partir avec ça maintenant. On peut partager avec mes frères dans l'association ou bien dans la cité. La pièce que je suis fier à j'ai déjà produire, premièrement, l'ambulance moto, c'est parce qu'il a beaucoup de demandes. Les motos dans l'ambulance nous ont permis de régler les problèmes des urgences médicales pour amener les malades à l'hôpital. Surtout là où l'ambulance voiture ne peut pas arriver, on y va avec la moto ambulance, on ramène les malades à l'hôpital. Et ça, c'est vraiment un grand point positif que nous avons connu au niveau de la zone. On m'avait envoyé ces photos. On avait pris ça au niveau de l'Internet et on m'avait amené ça chez moi pour que je puisse étudier. Après avoir étudié, j'avais produit les premiers sièges de l'ambulance moto. C'est inclinable. Bon, ce n'est pas tant là, bon, c'est la vision. Hein. Quand on regarde quelque chose, c'est l'étude, les faire l'étude, comment on a fait ça, on a commencé comment, dans ce sens-là. C'est toujours notre partenaire Enabel qui appuie aussi l'éducation du côté Eddy Moussou. Et nous, on avait besoin d'une moto qui pouvait transporter confortablement un malade qui est venu des centres de santé. C'est ainsi que nous avons été voir un forgeron. Je lui ai expliqué ce que ça devrait être, c'est-à-dire que fabriquer un siège inclinable pouvant permettre à ce qu'on puisse mettre le malade dans un confort pour l'amener à l'hôpital, ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui nous ayons la moto, la marque de la moto, avec un siège inclinable qui transporte le malade dans des conditions confortables, grâce à ces projets-là entre l'éducation et la santé.